coucou mes petits bécos. Alors là on se retrouve, je suis complètement épuisée depuis 2 jours maintenant. Je bataille pour préparer mes valises pour partir avec Eliora à Ibiza. Et je me rends compte à quel point c'est une galère monstrueuse de partir à l'étranger. Enfin oui, à l'étranger en avion avec un bébé quand on est seul. Parce que du coup je dois prendre la poussette, le siège auto, le lit parapluie. Je prends également les valises, le baby cook et je prends du blé d'idej parce que j'en trouverai pas là où je suis et que j'avais pas envie de dépenser sur place parce que ça me coûte beaucoup plus cher parce que quand même Ibiza c'est une île donc les produits sont plus chers. Et du coup je me retrouve avec 60 kg de bagages. C'est show time. Je dépasse même d'un kilo 5 en fait par rapport à ce que j'ai d'autorisé parce que j'ai pris 50 kg en soute plus les 10 kg dont Eliora a le droit en soute. Et franchement, c'est l'enfer. Bref, je suis quand même super heureuse de partir, ça va être génial. Avec Eliora, on est bien arrivé. Alors malheureusement, je n'ai pas du tout pu filmer dans l'avion ni à l'aéroport parce que j'étais extrêmement chargée. J'avais 65 kg de bagages. Parce que donc voyager en avion avec un bébé, c'est vraiment pas facile. Je pense que je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour les astuces et les choses qu'il y a à savoir. Donc on est bien arrivé. On est avec mes grands-parents. Aujourd'hui, il fait pas spécialement beau, mais en tout cas, il fait chaud et il y a du vent, donc c'est bien. Et donc voilà, tout va bien, on a préparé le sac de plage et on va aller boire le café au Camp Miguel en bas de l'appartement et après on va aller se mettre sur la plage, on va aller se baigner, on va profiter parce que c'est quand même le but de ces vacances. Voilà! Thank you.
Alors voilà mes petits décos. Là vous vous retrouvez sur la plage de mon enfance. Décidément c'est mes petits problèmes d'articulation ne s'arrangent pas. Donc du coup vous vous retrouvez sur la plage de mon enfance. Ça fait 27 ans que je viens ici, 27 ans que je trouve cet endroit absolument fantastique. Et c'était très important pour moi d'emmener ma fille pour son premier été ici. Et elle s'éclate, elle adore. Vraiment, elle adore ça, elle s'éclate. Elle kiffe, comment dire. Je la vois gambader, elle va bientôt marcher, c'est absolument génial. Ça va faire une semaine demain qu'on est arrivé, quelque chose comme ça. Et elle adore. D'ailleurs, si vous avez des bébés, hein, faut bien les protéger du soleil, mais faut arrêter, faut pas les laisser à l'intérieur, les pauvres. Donc ils ont besoin de bouger, de gigoter, et le sable c'est parfait pour ça. C'est pas grave s'ils en mangent un peu, ils y retourneront pas, de toute façon ça croque trop, c'est pas hyper agréable. Alors là, je vous fais un petit coucou en direct de mon petit déj top au On the Beach, au bout de la plage de la Calèche à Mesente. C'est un endroit qui est super sympa, lounge qui reprend vraiment l'esprit hippie de l'île. Et je trouve ça génial, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un endroit comme ça. Mais vraiment, si vous passez dans le coin, je vous recommande d'y aller, de vous faire un petit déj. Là, ce matin, je me suis pris du pan con tomate y queso, c'est super bon. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est juste du pain grillé avec de la sauce tomate et du fromage, c'est super bon. Avec un frappuccino qui était juste à tomber par terre parce que le café que je bois jusqu'à maintenant est vraiment dégueulasse. Donc j'avais vraiment, je me suis fait un kiff ce matin, je suis allée prendre mon petit déj en dehors de l'appart et un jus de fruits mais à tomber par terre. Alors c'est de la betterave, du concombre, de la carotte, de la pomme, enfin que des bonnes choses, hyper détox, c'est super sympa. Donc je voulais juste vous faire un petit coucou dans le vlog comme ça parce que c'est un peu compliqué de filmer ici. Il y a beaucoup de monde quand je sors de la cala, j'ai un peu peur qu'on pique ma caméra parce que tenir la poussette, la caméra, le sac, le téléphone, c'est hyper compliqué. Mais bon, je fais au mieux que je peux, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Mais écoutez, je vous laisse continuer de regarder le reste de mon séjour. Bisous mes petits bécos.
Déco, alors je vous fais un rapide coucou. Je suis à la veille de mon départ pour les visas. J'ai pas énormément filmé parce que c'est un petit peu compliqué. Je suis toute seule avec Eliora. Donc du coup, faire tout en même temps, c'est un peu compliqué. Maintenant, je vous ai quand même tourné quelques images assez sympathiques. Je vous parlerai un peu plus en détail de mon voyage et je pense vous faire une vidéo sur comment voyager avec un bébé pour la première fois. Ce qu'il faut prendre, ce qui n'est pas nécessaire, ce qui est possible de faire dans les avions et tout ça. Donc je pense que ça vous intéressera, en tout cas peut-être pour l'année prochaine. Tiens bébé, tu dis coucou? Coucou. Tes lunettes de travers encore. Coucou. Bravo, 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 bravo. Alors là, c'est notre dernière matinée, dernière journée sur l'île. On est trop triste, la mer elle est trop belle. C'est vraiment pas juste, c'est tout le temps quand on s'en va que la mer est la plus belle. Je vous montre un petit peu. Franchement, c'est un lac. Il y a du vent, c'est un lac. On va essayer d'en profiter au maximum, on reste quand même sous le parasol parce qu'il fait un soleil de plomb, il fait très très chaud, heureusement qu'il y a du vent. Après c'est un peu du vent chaud mais c'est vraiment hyper agréable. Donc voilà mes petits bécos, je vous fais des gros bisous et je vous dis peut-être à tout à l'heure si j'arrive à filmer avec Eliora dans l'aéroport et tout, je vous fais des gros bisous. Ça y est, avec Eliora, on est dans la salle d'embarquement pour notre retour à Paris. On avoue qu'on est quand même super fatigué parce que là il y a plein de trucs à porter. Eliora est assez énervée donc c'est normal, hein, les bébés ils stressent aussi avec les voyages. Du coup, hop, c'est l'heure du biberon. Je vais lui faire finir son biberon là avant. J'ai du retard, là, comme d'habitude, de toute façon, sur les retours à Ibiza pour celles qui y sont déjà allées, vous le savez. Du coup, là j'ai un petit peu de temps pour lui donner son bib tranquillement. Elle est en écharpe, elle se marre, hein, comme vous voyez. Donc voilà, je vous ferai peut-être une petite vidéo après, mais je vous avoue que je suis vraiment crevée, je pense que ça se voit d'ailleurs. Donc du coup, je sais pas trop si j'aurai la force de filmer mon retour à la maison, mais en tout cas, voilà, j'espère que... Aïe, 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 aïe. J'espère que nos aventures pendant ces presque 4 semaines, 3 semaines et demie, presque 4 semaines de vacances, vous auront plu. Coucou, 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 coucou. Et que vous avez pu voir... Que vous avez pu voir Eliora évoluer et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao mes petits bécos. Fais des bisous. Coucou. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, ciao.